Salut à tous, Tomulus 67. Comme prévu, petite sortie détection sur un autre Kanjitan qui vient de se libérer hier. Le terrain de jeu. Hein. Là, il n'y aura pas de soucis pour voir les emplacements de caravane. Et puis, normalement, je devrais être le premier, hein, parce que je pense que je ne dois pas être le seul à faire ça. Et ben donc c'est parti, on va prendre le petit accès en palette là, et puis ben on va aller voir ce qu'on peut trouver. Allez, à plus. Ouais, bien, première cible. Hein. À peine j'arrive sur une terrasse. Donc là, on voit bien. Hein. Donc la terrasse était là. La caravane était là. Donc du coup, j'ai un petit son. Monnaie posée à terre que je sais plus trop où elle est, mais je l'ai vue. Voilà, elle est là. Une 5 centimes. Donc on va regarder tout de suite s'il y a autre chose, parce qu'il me semblait en avoir vu une autre. Non. Peut-être une autre ici, mais c'est pas sûr. Non, c'est le petit bout d'alu là. Ok. Bon bah, première monnaie. Allez, c'est parti. Bon bah assez galère, hein. J'ai déjà fait une bonne partie du champ et j'ai pas trouvé grand-chose, bon pas mal de merde. Mais là je viens de tomber sur ce que je pense être l'emplacement d'un sèche-linge ou d'un lave-linge, parce qu'on voit plein de peluches là. Donc à côté d'une terrasse, comme on peut le voir. Et j'ai fait deux monnaies, une 5 et une 2, mais bon. Donc vu qu'ils ont l'électricité en 220, là, ils leur tirent des rallonges de partout. Donc ils sont bien équipés, ils ont tout ce qu'il faut pour faire la lessive. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse. La petite sacoche se remplit doucement. Mais bon, pour l'instant, même pas de monnaie jaune. Hein. Donc on va voir la suite. Allez, à plus. Bon, donc là on voit vraiment très bien. Là on a leur terrasse, hein, donc ils sortent les chaises, un grand tapis. Et là il y avait la caravane. Et donc c'est là où on peut trouver des monnaies. Bon par contre, hein, comme dit... Oh là là, il a plu une fois. Et ces monnaies sont déjà quasiment foutues. Bref. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, bah voilà, hein, première jaune. Donc pareil, hein, sur une terrasse.
Bon, par contre, hein, là, c'est vraiment sec. Hein. Ils sont pourtant restés 2 semaines ici. Mais bon, là, comme dit, hein, j'ai fait quoi? J'ai fait un quart, même pas. Hein, donc, même pas à fond. Mais c'est assez sec, mais bon, au moins on creuse pas trop quoi, hein, parce que là elles sont vraiment posées en surface. C'est bien sec. Donc voilà, on va continuer. Allez, à plus. Bon, une des dernières fois, j'avais fait une boursée avec 16 difrants dans le même trou. Hein, les difrants bicolores là. Ils sont très bien conservés en général. Dommage qu'on puisse plus les utiliser. Hein, parce que franchement, putain, quand on avait 10 balles dans la poche, eh ben on avait 10 balles dans la poche. Hein. Maintenant on a 2 euros. Avec 2 euros, bah, on a strictement que dalle. Bref. Voilà, allez, ben on va continuer. Bon, ben, y a vraiment des sons hein, qui trompent pas. Donc elle est là en dessous. Petite 50 centimes. Certainement de l'année dernière. Hein. Voilà, donc comme dit, hein, y a des sons qui trompent pas, donc même s'il faut creuser, ben on y va. Et en général, c'est payant. Voilà, allez, à plus. Bon, ça y est, première 1 euro. Donc du coup, pas de cette année non plus. Mais comme dit, les sons ne trompent pas. Voilà, 1 euro d'Italie. Allez, j'ai bientôt fini la première partie. Du coup, j'espère que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. Bah, sinon, il faudra encore revenir. Allez, à plus. Bon, bah, les gars, découverte insolite et qui nous rappelle un peu le passé. Donc, une plaque de soldat. Donc, j'arrive à lire Joseph. José ou Josuan, Joseph sûrement, force machin. Donc ça doit être une plaque allemande hein, certainement. Et ben on essaiera de donner une suite à cette découverte. Ouais, à mon avis plaque allemande hein. Quoique peut-être parce que j'arrive à lire Molsheim. Grisheim, sûrement. Grisheim, Molsheim. Donc c'est des villages juste à côté. Bon bah écoutez, hein, on va essayer de retrouver un peu l'histoire de cette plaque. Allez, comme quoi sur les camps de gitans, en détec, et ben on peut trouver de tout. Allez, je vous laisse. À plus.
Bon les gars, je pense que ce sera le dernier son, hein. Il est 8h30, je commence à 3h, enfin je me lève à 3h demain, donc un peu tendu. Donc, on va faire un petit focus sur la dernière trouvaille, donc une 50 centimes. Je trouvais une belle plume de pin. Et puis voilà quoi, donc je pense que je reviendrai, je sais pas si je ferai une vidéo ou pas, parce que bon du coup les camps de gitans c'est marrant 5 minutes, hein, mais bon après ça se rapproche beaucoup de la plage, ceux qui ont la chance d'avoir la plage à côté d'eux, et du coup j'ai en prévision une petite sortie avec l'ami Titi. Donc en Bourgogne, et puis ouais, donc on verra bien. Soit je repasserai encore ici histoire de terminer, parce que j'ai juste fait derrière moi. J'ai encore ben, tout ce qui est devant là. On verra. Donc comme d'habitude, hein, vu la lumière, petit bilan à la maison. Et puis ben, je vous dis donc à plus. Allez, ciao ciao. Bon les potes, donc comme prévu, petit bilan de la sortie à la maison, hein, du coup, vu qu'il faisait nuit quand je suis parti hier soir. Donc ça c'est une boîte où je garde tout ce qui est gardable, on va dire, hein, petite voiture, toc, un peu de monnaie qui n'est pas utilisable en ce moment. D'ailleurs, il y a la petite fenigre là. Voilà. Là, je me suis fait une petite boîte pour les 1 et 2 centimes. On verra ça. On ira, comme dit, chez Leclerc pour tout mettre dans la machine. Hein. Au moins, la machine, elle regarde pas l'état des pièces. Et donc là, la sortie. La sortie d'hier. Ah, je vais peut-être y retourner cet après-midi du coup. Donc ça, c'est, ça devait être une mini. La femme de Mickey. Voilà. Disney Vietnam, c'est ça. Pince à linge. En général, quand il y a de la pince à linge, il y a de la monnaie. Donc quelques capsules, de la visserie. Alors des petits bijoux. Là, je suis tombé sur un. Merde, c'est pas grave, c'était un bouton. Je tombais sur un endroit où il y avait vraiment pas mal de boucles d'oreilles. Pince à linge. Les piles, alors ça les gars, franchement, ramassez-les quoi. C'est juste dégueulasse quoi. Voilà, donc ça c'est de la merdouille aussi. La merdouille, un vieux bouton. Je sais même pas s'il y a quelque chose dessus en fait. Ça c'est une vieille 1 franc alu apparemment. Mais il faudra que je la nettoie. Ah si oui, comme ça, ouais. Là, on voit le profil. Par contre, je sais pas ce qui lui est arrivé à celle-là, mais. Comme si elle s'était fait ratiboiser de l'intérieur. Donc la 10 balles, c'est quoi, je l'avais sorti? Bah non, bah, j'ai refait une 10 francs alors. Et puis ben de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie. 1 euro. On va mettre de côté les plus belles. Hein. 50 centimes, 1 euro, 50 centimes. Un jeton de lavage ou de café. J'imagine plutôt de lavage. Et cette magnifique plaque. Donc j'ai vu que je lui ai mis un petit coup. Mais je vais essayer de nettoyer ça. Et je vous ferai peut-être des photos et je vous montrerai ce qui est vraiment écrit dessus. Mais ça a l'air plutôt à côté de chez moi, quoi. Hein. Parce que j'arrive à lire le nom des villes et villages aux alentours. Donc, question monnaie. On va laisser les merdes là. Le bouton, il va aller à la poubelle. Les bijoux, encore de la poubelle. Donc, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47 monnaies quand même, hein. 47 monnaies, pareil, en 2 heures, hein. 2 heures et demie. Non, 2 heures. Donc en 2 heures, je trouve que c'est un bon score. Après, ça vole pas haut, hein, en quantité, en valeur. Ça, je sais même pas s'il y en a pour 3 euros. Franchement, je sais pas. Là, on a quoi? 2 euros, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ah si. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Fait quoi? 3 euros des brouettes, hein. Et puis voilà. Donc, tout ça ira rejoindre la petite boîte ici. Ça à la poubelle avec ça, et puis même là un franc alu là parce qu'elle est dégueulasse. Le jeton de lavage, il me dit quelque chose donc je vais certainement le garder. Et puis comme dit, je vais aller nettoyer ça pour voir quel est le soldat qui appartenait cette plaque. Voilà, donc trouvaille sympa. Un bon moment passé dehors, et puis voilà, impeccable. Bon les gars, donc. Je vais certainement y retourner cet après-midi, donc il y aura certainement encore une vidéo sur les camps de gitans. Et puis dès que tous ces champs seront accessibles, praticables, eh ben je ressortirai faire un peu de détection, on va dire un peu plus classique. Voilà, allez, je vous laisse les potes. À plus. Et n'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao.